de côté. Un pas de côté par le vivant, par les écosystèmes naturels, par des endroits où on aime bien d'ailleurs se ressourcer en règle générale. Le vivant, vous savez, il y a ce mot qui est monté un peu en puissance ces dernières années, encore que c'est très relatif, qu'on appelle biodiversité. C'est un mot un peu compliqué, un peu techno, spécialiste en tout cas. Biodiversité, vous le remplacez par vivant, c'est exactement la même chose. Et alors ce qui est important à comprendre, c'est que puisqu'on parle d'agilité ici, là où nous avons de vraies leçons d'agilité à aller chercher, c'est vraiment dans les systèmes vivants. L'histoire du vivant, c'est 3,8 milliards d'années, probablement même encore un petit peu plus ancien que ça, presque 4 milliards d'années. Imaginez la formation géologique de la Terre, l'accrétion de la Terre au moment de la formation du système solaire, c'est 4,55 milliards d'années. Et peut-être 55 millions d'années à peine après, la vie était déjà sur Terre. C'est vraiment un phénomène extraordinaire. Et toute cette histoire du vivant, ces 4 milliards d'années, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. C'est énormément d'événements, parfois très violents, qui ont pu apparaître. Des crises violentes, on aura peut-être l'occasion de dire finalement qu'est-ce que c'est qu'une crise. Et malgré tout, la vie rebondit en permanence, se redéploie en permanence, s'adapte de manière extrêmement agile. Et on va regarder ensemble comment tout ça, ça peut nous inspirer peut-être des nouveaux modes de production. Des nouveaux modèles de création de valeur, une nouvelle économie, une économie inspirée de la permaculture, de ses principes de fonctionnement, de son éthique, sur laquelle je reviendrai. Alors, j'ai appris qu'il y avait un manifeste éthique dans lequel on avait 12 principes et 4 valeurs. Mais en permaculture, on a 3 valeurs éthiques et 12 principes, on n'est pas très loin. Donc on fera peut-être des parallèles d'ailleurs. Alors, on peut être parfois un peu perdu dans ce monde, avoir l'impression d'être perdu, et c'est intéressant de s'ancrer et de vérifier où on est. Voilà, c'est comme on met dans les panneaux, vous êtes ici. Vous êtes ici, Homo sapiens, voyez, il est là. Il est dans cette petite branche ici qui sont les métazoa. Les métazoa, ce sont tous les animaux qui ont plusieurs cellules, donc les êtres pluricellulaires. Ce que vous avez sur l'essentiel ici, ce sont des bactéries et des archées, donc des êtres unicellulaires, extrêmement simples dans leur forme, dans leur principe de fonctionnement, dépourvus de noyaux, dépourvus de mitochondries, dépourvus de chloroplastes. Vous avez ici, par contre, toutes les algues photosynthétiques, et là, vous avez tout le reste, les végétaux, les champignons. Vous voyez que, vu de loin, le vivant, aujourd'hui, c'est encore essentiellement des êtres unicellulaires, c'est encore essentiellement des bactéries. Quand on vous dit qu'il y a sur Terre à peu près 12, 15, 20 millions d'espèces, qu'on en connaît, qu'on en a décrit, qu'on en a dans les muséums et les publications académiques, 1,2 million à peu près, ce ne sont que des êtres multicellulaires, ce ne sont que des gros animaux, des plantes, des champignons, c'est-à-dire des choses qu'on peut voir à l'œil nu. L'essentiel du vivant nous échappe encore largement, nous est encore très peu connu. Ça, c'est un point qu'on peut retenir. Et vous avez là votre ancêtre commun, donc on l'appelle du doux nom de Luca, Las Universal Common Ancestor, qui est vraiment notre ancêtre commun à tous, et à tous êtres vivants sur Terre. Donc nous avons une origine commune, on dit parfois aussi que nous avons un destin commun. Ne pas oublier que nous sommes embarqués sur le même bateau, sur le même vaisseau spatial Terre. Et alors la première leçon dans tout ça, c'est qu'il y a un héritage, il y a des principes fondamentaux du vivant, qui sont partagés par tous les êtres qui vivent aujourd'hui sur Terre, et il y a un héritage aussi informationnel, c'est-à-dire que nous avons des gènes communs, avec tout ce qui vit sur Terre, parce que ce sont des gènes qui nous sont directement hérités de cet ancêtre commun. Donc nous sommes vraiment dans la grande cousinade du vivant ici. Et alors, puisqu'on parle d'agilité, il y a la grande leçon, je l'ai dit, c'est la plasticité évolutive du vivant. Et cette plasticité évolutive, elle repose sur une grande complexité fonctionnelle, une grande richesse fonctionnelle. Et alors, il y a une phrase d'un paléoanthropologue qui s'appelle Pascal Pic, qui a beaucoup creusé ces questions d'évolution, ces questions d'évolution darwinienne. Il y a une phrase qui est extrêmement riche de sens, qui pourrait peut-être vous inspirer, sur laquelle on reviendra peut-être, qui est en gros, la diversité fonctionnelle et la plasticité évolutive reposent sur la simplification des formes et des structures. Et ça, c'est une règle de base qui est essentielle pour comprendre ce monde dans lequel nous évoluons, qui est le monde de la complexité, par essence, le monde de la violence et la porte d'entrée dans la complexité. Mais les principes de fonctionnement des systèmes complexes sont des principes dont l'énoncé est en général très simple. Vous prenez un vol des tourneaux, vous prenez un banc de poissons, les interactions entre chaque individu du vol ou du banc sont régies par des règles extrêmement simples,
Et tout ça forme un tout extrêmement fluide, extrêmement adaptatif, harmonieux à observer, avec des règles très simples, et pourtant on est en plein dans la complexité. Comme quoi, complexité et simplicité ne s'opposent pas, au contraire, c'est là aussi entrelacé. Alors vous êtes aussi là, quelque part, en fait j'ai mis la flèche complètement au hasard, je ne sais pas du tout où on est, peu importe. Juste pour dire qu'aujourd'hui, vous avez quelques grands milliardaires, quelques grands capitaines d'industrie, grands patrons, parfois des GAFAM d'ailleurs, qui se disent, ben finalement, puisqu'on a tout foutu en l'air sur Terre, c'est peut-être le moment de commencer à les regarder ailleurs. Et donc on commence à se dire, peut-être qu'on va aller explorer d'autres planètes, peut-être qu'on va aller faire de la terraformation et coloniser d'autres planètes, parce qu'il n'y a plus d'avenir ici. Je ne souscris absolument pas à cette vision des choses. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une bonne vingtaine d'années maintenant qu'on s'est lancé dans la recherche des exoplanètes, d'endroits où les conditions de vie seraient, des conditions seraient peut-être favorables à la vie. Et en fait, on a beau regarder, on a beau chercher, pour l'instant, on a trouvé nulle part ailleurs qui serait aussi bien qu'ici. Donc c'est peut-être d'abord ici, sur cette planète, qu'il faudrait faire des choses, qu'il faudrait mettre les moyens pour pérenniser les conditions de vie qui sont les nôtres et qui sont favorables. Il ne faut pas oublier que notre espèce, finalement, elle a eu de la chance, mais non, ce n'est pas de la chance, il n'y a pas de hasard dans l'histoire du vivant. Il y a eu beaucoup de hasard, mais là, ce n'est pas un hasard. Nous sommes arrivés à un moment où les conditions étaient favorables. Il y a, quand on parle de biomimétisme, hein, cette nouvelle approche qui vise à chercher une inspiration dans les systèmes vivants pour concevoir des systèmes durables, on dit souvent, la vie crée des conditions favorables à la vie. Et nous sommes arrivés, nous, Homo sapiens, sur Terre, à un moment où des plantes, des champignons, des algues, des bactéries, des insectes, d'autres animaux, avaient préparé le terrain, avaient formé des sols suffisamment épais pour que nous puissions développer l'agriculture, avaient formé une atmosphère dont la composition est extrêmement stable sur des millions, sur des centaines de millions d'années, avaient formé des océans dont la composition chimique est extrêmement stable aussi. Et effectivement, nous sommes arrivés un peu éléments perturbateurs dans tout ça, et nous avons réussi, en 150 ans à peine, à déstabiliser la composition chimique de l'atmosphère qui a été stable pendant des centaines de millions d'années. Donc quelques efforts à faire et peut-être quelques apprentissages encore à développer. La situation, voilà, je vous la résume en une photo. Évidemment, on pense tous à un discours célèbre prononcé à Johannesburg en 89, « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Oui, nous sommes dans une situation qui est grave, je ne vais absolument pas insister lourdement là-dessus, évidemment, mais il y a des tas d'enjeux climatiques qui sont en lien avec la biodiversité, qui nous mettent dans une situation d'urgence, et pourtant, la plupart d'entre nous, je ne dis pas d'entre nous dans cette salle, je ne crois pas que ce soit le cas ici, mais la plupart de nos semblables sont aspirés par ce qui pour eux est d'autres urgences, peut-être d'autres priorités. Et finalement, on continue à regarder ailleurs, alors que l'essentiel de nos efforts, quel que soit d'ailleurs notre rôle social dans la société, quel que soit notre rôle en tant qu'agent économique, nous avons tous un rôle à jouer, très productif potentiellement, par rapport à ce qui est en train de se passer. Les solutions sont là, les solutions elles sont connues depuis longtemps, elles sont en nous. On va y venir, on va les évoquer. Et encore une fois, je pense que les verrous à faire tomber, ce ne sont pas des verrous technologiques. Nous avons toutes les solutions technologiques à notre disposition. Les verrous ne sont pas non plus des verrous économiques, même si on érige souvent cet argument-là en paravent. Non, si on apprend à compter vraiment, si on apprend à créer vraiment de la valeur, qui est le thème de cette présentation, eh ben, une économie, aujourd'hui, elle devrait créer de la valeur dans tous les sens. Elle crée de la valeur pour le client, elle crée de la valeur pour l'entreprise, mais elle doit créer de la valeur pour la société. Et on se rend compte que très souvent, par le biais de ce qu'on appelle des externalités, c'est-à-dire ces coûts cachés quelque part, qui sont à la charge de la collectivité, qui sont souvent d'ailleurs différés dans le temps, ces coûts cachés vont détruire de la valeur, et parfois détruire même plus de valeur que ce qui aura été créé par l'activité économique directe. Le véritable enjeu, c'est d'apprendre à compter vraiment en matière d'économie, c'est d'intégrer ces coûts cachés dans les modèles économiques, et c'est de faire en sorte que nous ayons des activités qui créent vraiment de la valeur. Et encore une fois, ça, c'est à portée de la main. Non, le vrai verrou, il est culturel, il est anthropologique, il est dans la façon dont nous concevons notre rapport au reste du monde vivant, et il est quelque part dans un certain renoncement à cette arrogance qui est la nôtre, qui voulons nous placer en tant que sommet de l'évolution, en tant que grand maître, grand pilote de la planète, et en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça peut se passer, que ça doit se passer, et on verra qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'autres organismes. Mais tout de suite, on va vous faire jouer un petit peu. Donc on a un petit quiz qu'on va lancer. C'est permaculture.
Ah, bon, on n'a pas lancé le bon quiz. Bon. On va faire celui-là. On va faire les deux quiz dans la foulée, c'est pas grave. Allez, on va changer légèrement l'ordre. Alors, la première question, quelques principes. Alors, il faut le voir sur l'écran, hein, la question. Donc, quelques principes de la permaculture. Un intrus s'est glissé parmi les propositions suivantes. Lequel ? Et donc, sur votre smartphone, vous avez juste à choisir la couleur qui correspond aux réponses qui sont sur l'écran. Donc, sur, à partir de la deuxième, normalement, ça devrait être plus facile pour vous. Donc, tout est inscrit sur l'écran. Et vous avez juste à choisir sur votre smartphone la couleur qui correspond à la réponse que vous pensez être la bonne. Donc là, Emmanuel, je te laisse expliquer la réponse sur le... C'était un tour d'essai, effectivement. Bon, juste pour s'amuser, je vois qu'il y a beaucoup de fans de Star Wars ici, donc vous n'êtes pas tombé dans le panneau, effectivement. Do or do not, there is no try, c'est bien Maître Yoda qui dit ça à Han Solo. Donc c'est une réplique culte de la saga. Ça n'a rien à voir avec la permaculture. Et je dirais même que c'est plutôt le contraire, puisqu'on s'autorise à essayer beaucoup de choses en permaculture, et surtout on apprend des rétroactions, donc voilà. Merci en tout cas. Donc on va lancer une deuxième question, c'est toujours sur le thème de la permaculture. Et donc il y aura un classement comme ça qui va s'afficher, et à la fin des, je crois que c'est 5 questions, donc on aura le vainqueur qui remportera le livre. Vous avez compris qu'on ne les fait pas dans l'ordre, donc... Et 4 questions, pardon. 4 L'expression questions. Permaculture vient de, voilà. Est-ce que c'est permissive agriculture, permitting agriculture, permeable agriculture ou permanent agriculture? Vous avez compris, ça vient de l'anglais, mais... Donc, il vous reste encore 5 secondes. Voilà. Bravo, on a des experts. Hein. On continue. Allez, là, il y a rien. Allez, question suivante. Rien de plus, on y reviendra. Pour l'instant, c'est toujours battre là. Hein. Alors, les premiers livres de Bill Mollison s'intitulaient Permaculture 1 et Permaculture 2. Comment s'intitule le troisième? Permaculture 3, Permaculture for Dummies, Permaculture Designer's Manual, Permaculture New Way of Life. Bon, vous l'avez compris, Bill Mollison, qui est vraiment considéré comme le père fondateur de la permaculture, même si toute une équipe, ils sont assez nombreux. Ah, ben là, par contre... Vous êtes pas mal tombé dans le panneau quand même, parce que c'est bien Permaculture, a Designer's Manual, le titre du livre. Ah, le classement évolue. Donc là, forcément, le classement a complètement changé. Petit retournement de situation. Donc, on continue. Il reste encore une dernière question, et on va avoir le vainqueur qui va s'afficher. Alors, la question c'est, qu'est-ce que désigne la syntropie ? Concept essentiel en permaculture, que j'expliquerai après. Ça, c'est de la bonification. Hein. Eh bien, là aussi, vous êtes pas mal tombé dans les pièges, parce qu'effectivement, la bonne réponse, c'est celle qui a reçu le moins de votes, le moins de choix. C'était une tendance à tendre vers des niveaux d'organisation croissants. Donc la syntropie, c'est en fait, vous lâchez un écosystème vierge, ben, simplement vous vous amusez à faire un carré de terre ou une jardinière sur votre balcon. Et au début, vous allez avoir quelques espèces qui vont germer, des espèces dites pionnières. Et puis, plus ça va aller, plus d'autres espèces vont germer, d'autres espèces vont arriver, etc. L'écosystème va se complexifier, il va y avoir beaucoup d'interactions, et ça va finir par se réguler. Et c'est comme ça qu'à partir d'une prairie, d'une forêt de conquête, on arrive à une forêt mature, par exemple,
avec énormément de diversité et énormément d'interactions. Ce sont des principes qu'on peut reproduire en agriculture, c'est-à-dire qu'on laisse faire le temps, on travaille avec le temps, on travaille avec les systèmes, et on essaye de ne pas forcer les rythmes, tout en ayant bien sûr quelque chose d'extrêmement productif. Alors, on va découvrir le gagnant du coup de ce premier quiz. Donc c'est Julien C. qui va gagner le premier ouvrage. Voilà, donc Julien C. qui est là. Donc puisqu'on était sur le quiz permaculture, donc c'est le livre permaéconomie qui a été gagné. Et maintenant on va faire le deuxième quiz, donc le quiz sur les ressources quand même, puisque c'était celui qu'on voulait lancer au départ. Donc on va l'enchaîner directement. Allez, je vais lancer. C'est parti. C'est parti. Allez. Alors, selon des experts de l'Agence internationale de l'énergie, quelle est la date prévisionnelle pour ce qu'on appelle le peak oil ? Le peak oil, donc, c'est le moment où on extraira le plus de pétrole de la lithosphère, et après, on en extraira forcément moins, parce qu'on aura atteint le maximum d'extraction. Alors, ben là... Non, bah écoutez, il y a des optimistes parmi vous, enfin je ne sais pas si on appelle ça des optimistes ou des pessimistes, mais en fait le peak oil, il a été atteint en 2008. Donc on l'a déjà dépassé, il est déjà derrière nous. Ce qui nous reste maintenant, c'est du pétrole dit non conventionnel, donc ce sont des gaz de schiste, des huiles de schiste, des sables bitumineux, du pétrole non conventionnel qu'on va chercher très très loin, qui coûte beaucoup plus cher à extraire, et surtout pour lequel le rendement énergétique est beaucoup moins intéressant, puisque au début du siècle, non même pas en 1950, donc au milieu du XXe siècle, en gros, pour 1 kJ qu'on injectait d'énergie dans le sol, on avait un rendement de 80 kJ. Aujourd'hui, pour 1 kJ que vous injectez, on remonte 5 kJ. Donc on a divisé par 20 le rendement énergétique de l'extraction du pétrole. Donc on va passer à la question suivante. Je vous laisse regarder Bravo à Sylvie. Fiche. Alors, selon l'US Geological Survey, pour combien d'années nous reste-t-il encore la terre rare appelée le terbium ? Le terbium qu'on utilise beaucoup dans les smartphones, qu'on utilise en commun d'ailleurs, et dans la transition numérique et même écologique en général. Oui, alors je crois que vous avez été aidé par la typographie. Un petit piège, là, effectivement, la bonne réponse était indiquée en italique. Merci, la typo. Et oui, les stocks ne sont pas si nombreux que ça. Donc, si on veut faire face à la transition énergétique, il va falloir, quelque part, changer un petit peu nos modèles d'extraction et de consommation aussi. Allez, question suivante, la troisième. Donc, entre 85 et 2015, la durée d'utilisation d'un ordinateur est passée en moyenne de combien d'années à combien d'années ? Bon, alors là, ça va être la rapidité qui va faire la différence. Ceux qui ont les voies les plus agiles. Eh bien, même pas, en fait. Bon. Là encore, bravo à Sylvie. Donc oui, elle était globalement divisée par 3. Hein. Okay. Dans ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, on peut passer à la suivante. La dernière. Donc la dernière question de quiz, elle va concerner... Donc en France, on artificialise la surface équivalente à celle d'un département tous les combien d'années ? Ah, bravo. Par contre, je suis étonné du résultat, mais effectivement, c'est assez impressionnant. Ça veut dire que tous les 7 ans, en France, on perd l'équivalent en surface d'un département de terre naturelle, d'espace naturel, qui disparaît sous des ronds-points, sous des rocades, sous des parkings et des zones commerciales. Bon, et des lotissements, bien sûr. Donc voilà, un chiffre assez impressionnant quand même. On pensait d'ailleurs que le rythme allait se stabiliser, puisque ça fait longtemps qu'on fait ce suivi-là, hein, et on était plutôt sur un rythme moyen d'un département tous les 10 ans. Et on a plutôt une accélération de l'artificialisation. Et le grand paradoxe, c'est que même dans des territoires où on est en déprise démographique,
qu'on continue à artificialiser. Donc c'est pas corrélé à la croissance démographique. Okay, voilà, bah merci. Donc du coup, on peut passer les résultats. Ouais, on va passer aux résultats. Donc c'est Sylvie. Et c'est donc Sylvie, bravo. Ok, donc pareil, en fait, à la fin, on fera dédicacer le livre. Il faudra venir en fait sur scène à la fin de la keynote. Bon. Donc on va repasser sur la présentation. Alors vous l'avez vu, quand on parle des ressources, en fait, ce qui va caractériser ce stade de développement auquel on est arrivé, ça va être la question des limites. Ici, par exemple, je reprends le quiz sur le terbium, vous voyez qu'il ne nous reste pas grand-chose, et même, par exemple, sur le fer, qui est quand même un élément qu'on maîtrise extrêmement bien, sur lequel les taux de recyclage sont les plus élevés, on considère qu'on recycle à peu près 80% du fer, et en fait, on a atteint la limite, c'est-à-dire que pour faire de l'acier de bonne qualité, on réutilise 80% d'acier, de fer, de réemploi, mais par contre, on est obligé d'avoir 20% de matières premières vierges. Et donc ça, forcément, ça nous amène à une limite, et ça veut dire que dans 80 années, on aura consommé l'ensemble du fer qui est encore disponible, du minerai de fer qui est encore disponible sous sous-sol, sauf à améliorer radicalement les process de recyclage ou au moins de réemploi. Et donc cette question des limites, ben, elle est là, elle est matérialisée quelque part par ce que vous voyez ici, c'est ce cercle vert hein, qui montre un petit peu les limites de la biosphère. Et ce qui est important à comprendre, c'est que quand on parle des limites de la biosphère, ce sont des limites physiques, hein, ce sont des limites thermodynamiques, ce sont des limites biologiques, ben, c'est pas comme un mur dans lequel on rentrerait, il y aurait un choc et on rebondirait éventuellement. Non, en fait on peut les dépasser les limites, on s'enfonce dedans d'une manière assez molle comme ça, sauf que ça a des effets différés dans le temps. Le changement climatique, la perte de la biodiversité, la perturbation du cycle de l'azote qui va jusqu'à donc trophiser par rapport excessif de nutriments des milieux aquatiques. On connaît le phénomène des algues vertes par exemple en Bretagne, avec un exemple isolé, mais il y a beaucoup d'autres exemples beaucoup plus graves encore que ça dans le monde. Bah, ça veut dire que c'est un étouffement des milieux, et donc c'est quelque chose dont la facture se paiera très cher, mais en différé. Vous connaissez la question de la date du jour du dépassement. Cette année, on était le 1er août. L'année prochaine, évidemment, on sera en juillet. Chaque année, ça avance un petit peu dans l'année. Ça veut dire qu'à partir de la moitié de l'année, on commence à vivre en crédit sur des écosystèmes futurs, sur des générations futures, et qu'évidemment, l'endettement atteindra forcément un jour ou l'autre une limite. Et pourtant, j'allais dire, voilà, il y a quand même des leçons à prendre et des enseignements très encourageants dans ce qui se passe dans la nature, c'est que ça fait... Je l'évoquais, 3,8 milliards d'années, peut-être 4 milliards d'années, que le système vivant planétaire, ce qu'on appelle la biodiversité, ben ça tourne, ça marche plutôt bien, et qu'en gros, la biodiversité fait des choses, rend des fonctions, qui sont aussi des fonctions qu'on demande aux agents économiques, aux acteurs économiques et aux entreprises de remplir. La biodiversité, ça innove en permanence, ça s'adapte au changement, ça structure la matière et l'information, ça crée d'une certaine façon de la richesse, puisque ça rend disponible, ça rend accessible des formes d'énergie dispersées à travers le rayonnement solaire, la photosynthèse, etc. Et ça fait finalement ce qu'on appelle de la négantropie. La négantropie, c'est l'inverse de l'entropie, hein, donc ça restructure des formes d'énergie et ça les rend à nouveau disponibles pour tout un métabolisme qui est derrière. Donc la biodiversité crée de la valeur, crée de la richesse, et elle le fait avec le cahier des charges draconien auquel nous sommes tous soumis, y compris nous, Homo sapiens, qui est que nous vivons dans un système qui est un système fermé, cette grosse boule bleue qui navigue dans l'espace froid et impropice à la vie, il y a un stock de ressources finies, limitées, et on doit faire avec le stock. Par contre, il y a un flux permanent d'énergie qui vient du rayonnement solaire. Et en fait, notre économie, qui aujourd'hui est une économie du stock, qui est ancrée dans le passé, ancrée dans les ressources fossiles, doit de plus en plus devenir une économie du flux, c'est-à-dire une économie fondée sur les ressources renouvelables et sur ce qui vient du soleil. Et donc, c'est une économie qui doit se réancrer, se resynchroniser avec les flux du vivant. Alors, ben, cette démarche de faire en sorte que notre économie puisse s'inspirer du vivant, ben, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Alors, on dit souvent que le biomimétisme, c'est s'inspirer du vivant pour innover. Oui, mais c'est pas que ça. Et même, j'allais dire, si on fait ça, on passe à côté de l'essentiel. Le biomimétisme, c'est une démarche qui, en comprenant mieux le vivant, nous permettra de nous en inspirer, et surtout nous permettra de nous réancrer dans les cycles du vivant, et donc d'agir, non pas contre le vivant, mais avec le vivant. Retrouver une certaine forme de symbiose, finalement, entre notre économie, nos activités, et le système vivant planétaire.
Alors voilà, encore une fois, 3,8 milliards d'années d'évolution, 3,8 milliards d'années de R&D, c'est une adaptation à tous les milieux, donc c'est une grande plasticité évolutive, c'est une grande agilité qu'on va retrouver dans l'ensemble des organismes vivants. Et finalement, c'est la plus grande base de données open source de la planète, c'est de l'information, ce sont des idées, ce sont des sources d'inspiration qui sont gratuites, dans lesquelles on n'a qu'à puiser et aller chercher nos idées pour innover. Alors on parle souvent, et vous l'avez sûrement remarqué, le langage des biologistes et des écologues a tendance à percoler de plus en plus dans le langage de l'économie. On parle de l'ADN d'une entreprise, par exemple, de plus en plus souvent, on parle d'écosystème d'acteurs. Ben, un écosystème d'acteurs, vous en voulez un qui marche vraiment ? Ben voilà, c'est celui qui est derrière moi. C'est celui que vous pourrez aller voir ce soir ou demain ou ce week-end si vous voulez un peu vous ressourcer. Ben, là-dedans, vous avez un écosystème qui produit ses ressources uniquement à partir de l'énergie renouvelable, à travers la photosynthèse, le rayonnement du soleil. C'est un écosystème qui ne produit aucun déchet, qui recycle en permanence l'ensemble de ses constituants. C'est un écosystème où l'information circule de manière extrêmement dynamique et rapide entre tous les agents. Tous les agents qui sont dans cet écosystème sont interconnectés, sont reliés par des flux d'énergie, mais aussi par des flux d'information. Et enfin, c'est un écosystème qui gère de manière extrêmement efficiente son eau, puisqu'il va capter les eaux pluviales, il va les stocker dans le sol, dans les arbres, etc. Et il va l'épurer et la recycler en permanence aussi. Donc voilà un écosystème vertueux qui crée de la valeur et qui fonctionne en boucle fermée. À tel point que certains designers, comme le Belge Luc Scoyten, par exemple, qui est architecte, imaginent une ville demain, et globalement des espaces aménagés par l'homme, qui soient complètement végétalisés, qui soient de nouveau ancrés dans le végétal. C'est son rêve de la cité végétale, et c'est son rêve finalement dans lequel on fera appel aux végétaux pour nous aider, pour travailler avec eux, mais y compris comme matériaux de construction. Et là où son rêve est fou par rapport à aujourd'hui, c'est une vraie utopie, et c'est une belle utopie, c'est de se dire on n'attendra pas que les arbres soient morts pour en faire des matériaux de construction, on fera des immeubles vivants, avec du bois vivant, et donc on va récupérer l'ensemble des fonctionnalités de ces arbres. Je parlais de ces flux d'informations qui circulent dans la forêt. Là, en fait, alors Saint-Exupéry disait « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Oui, il faut apprendre à revoir ce qui est invisible, à comprendre ce qui est invisible, à nous intéresser à ce qui est invisible. Je l'évoquais tout à l'heure, le rôle des bactéries. Là, il s'agit de champignons. Ce qu'on voit dans les champignons, hein, en général, on voit juste le fruit, l'organe reproducteur. Et l'essentiel, c'est ce réseau de mycélium qui est dans le tapis souterrain des forêts, de l'ensemble des écosystèmes. D'ailleurs, puisqu'il n'y a aucun végétal sur Terre, aucune plante n'est capable de vivre sans son champignon symbiotique. Elle se sert du champignon pour aller chercher ses nutriments dans le sol, elle vit vraiment en symbiose avec lui. Mais par ailleurs, ces champignons forment un véritable internet du vivant. Et on sait aujourd'hui que des nutriments circulent par ce réseau de mycélium. On sait aussi que de l'information circule par ce réseau de mycélium. Les arbres communiquent les uns avec les autres. Et les arbres s'entraident aussi. On pensait que c'était la loi de la jungle et la compétition. En fait, non, il y a beaucoup plus d'entraide que de compétition. Les arbres adultes, matures, ceux qui ont accès à la photosynthèse, parce que ce sont les plus grands, donc ils ont accès directement au soleil, nourrissent les plus petits arbres, quelque part, ils préparent la relève. Je parlais de champignons, alors là, on est sur un organisme qui n'est pas tout à fait un champignon, on ne sait pas le classer, on ne sait pas si c'est un champignon ou un animal, on en vient à lui créer un genre à lui tout seul, ça s'appelle le blob, Physarium polycéphalum, son nom latin. Et en fait, un chercheur japonais s'était amusé à regarder quelle était sa capacité à créer des réseaux à travers ces pseudopodes, donc qu'on voit sur les images derrière, qui vont aller chercher des aliments. Et en fait, il a positionné le blob quelque part sur une carte, hein, en vert, à l'endroit où était Tokyo, et des réserves de nourriture aux endroits des principales villes de Tokyo. Et puis il a regardé, puis je crois que c'est en même pas 48 heures, voilà, en 26 heures, le blob a reconstitué un réseau de transport, de logistique, d'information, et en fait il s'est rendu compte que ce réseau il était à la fois plus efficace, plus résilient, avec moins de redondance que le réseau routier, rail, les réseaux d'infrastructures qu'on avait aujourd'hui dans la baie de Tokyo. Donc en 26 heures, un organisme qui n'a pas de cerveau est capable de concevoir un réseau plus efficace et plus résilient que ceux que nous sommes capables de construire nous. Donc on a quelques leçons intéressantes à prendre, et surtout des belles leçons d'humilité en l'occurrence. Et enfin, dernier exemple de biomimétisme, là on est sur des procédés. Là, ce que vous voyez là, ce sont des diatomées, ce sont des micro-organismes qui vivent dans l'eau de mer et qui se fabriquent un squelette externe en silicium pur, donc c'est du verre. Simplement, nous, la grande différence, c'est que pour faire du verre, on prend du sable et on le fait chauffer à 1500 degrés.
En faisant ça, ben, on épuise à la fois les ressources de sable, on consomme énormément d'énergie pour fabriquer du verre. Vous avez ces organismes-là, ils sont capables de cristalliser le silicium dissous dans le verre, et en le cristallisant, de lui donner des formes extrêmement complexes, beaucoup plus complexes que ce qu'on arrive à faire nous avec du verre. Donc les process de fabrication de la fibre de verre de demain, de beaucoup d'équipements, de microprocesseurs, etc., ben, ils sont connus depuis longtemps par ces organismes-là. Nous, on cherche encore. Et évidemment, la grande leçon, c'est qu'il y a une sobriété dans l'utilisation des ressources, des moyens et de l'énergie qui est absolument considérable. Donc elle, la nature fait, dans bien des cas, aussi bien que nous, mais elle le fait qu'une élégance et une économie de moyens qui n'a rien à voir avec ce que nous, on est capable de faire aujourd'hui. Je l'ai évoqué, l'histoire du vivant, c'est, encore une fois, 3,8, 4 milliards d'années peut-être. C'est loin d'être un long fleuve tranquille. L'histoire du vivant est ponctuée de 5 grandes crises d'extinction. La dernière, la plus connue, elle est là, vous voyez que c'est loin d'être la plus grave. C'est celle qui a valu l'extinction des dinosaures et qui a permis d'ailleurs l'essor des mammifères. Et vous voyez qu'entre ces moments d'extinction, vous avez des moments de stabilité, de croissance. Par exemple, pendant, puisqu'on parlait des dinosaures, pendant 160 millions d'années à peu près, du Trias à la fin du Crétacé, les dinosaures ont connu des très belles conditions de stabilité climatique et de grande disponibilité des ressources, ce qui a permis leur essor, leur diversification. Mais là où il y a une belle leçon à prendre aussi, je trouve, y compris pour nos entreprises, c'est que dans les périodes où les ressources sont abondantes, dans les périodes où il y a une grande stabilité, ben, les compétences qu'il faut avoir, c'est plutôt celles d'être rapide, fort, puissant, spécialisé. Et puis dans les périodes d'incertitude, de crise, une crise, c'est un changement d'état, c'est pas une poussée de fièvre et puis on revient à la normale après, c'est vraiment un passage d'un état à un autre. Et bien là, il faut plutôt être petit, plutôt agile, plutôt coopératif. Et on voit que ce ne sont pas les mêmes organismes qui tirent leur épingle du jeu. Ben, prenez un exemple, les entreprises qui étaient performantes pendant les 30 Glorieuses sont celles qui connaissent d'énormes difficultés depuis qu'on a commencé à entrer dans les crises successives des années, la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et par contre, ce qui va créer la richesse des territoires, c'est plutôt ce dynamisme économique qui vient des petites entreprises et de leur capacité à coopérer de plus en plus en cluster, en grappe, dans une grande diversité d'acteurs. Je crois que la grande leçon, elle est là, c'est que pour s'adapter au changement, il faut être agile, il faut être rapide, il faut être capable d'interagir les uns avec les autres et de créer des nouvelles règles de fonctionnement qui soient des règles qui soient basées beaucoup plus sur une forme de solidarité, en tout cas de réciprocité, de symbiose. Et alors, il y a une dernière petite martingale sur laquelle on pourrait passer des heures, mais qui s'appelle l'exaptation. Alors, l'exaptation, c'est quoi? C'est la manière dont l'évolution du vivant bricole avec ce qui existe déjà et invente des solutions avec des structures qui préexistaient, mais dans lesquelles les contextes d'utilisation vont changer, donc il va falloir changer l'utilisation de ces structures. Un exemple ici, ce sont les plumes, par exemple. On sait aujourd'hui que les oiseaux descendent directement des dinosaures, de certains dinosaures qu'on appelle des dinosaures théropodes. Théropodes, c'est à pattes d'oiseau. Ces dinosaures théropodes avaient un duvet qui leur permettait de s'isoler des conditions climatiques et de réguler leur température interne. Ce duvet, ce n'était pas du tout les plumes actuelles. Mais quand certains dinosaures sont devenus des oiseaux, ce duvet s'est transformé en plume, s'est allongé, s'est rigidifié, a changé un petit peu d'apparence, mais la structure de base restait exactement la même. On est bien sur un cas d'exaptation pour s'adapter au vol. Des structures préexistantes ont été reprises et transformées. Un autre exemple qui est connu, ce sont les vessies natatoires des poissons, donc qui est un organe qui permet aux poissons de naviguer dans un milieu à 3 dimensions. Cette vessie natatoire, c'est un ancien poumon primitif qu'on trouve chez certains poissons encore aujourd'hui, qui s'appelle des poissons dipneustes, et qui s'est refermé, qui s'est transformé, qui est devenu d'un organe respiratoire un organe sensoriel. C'est une petite bulle d'air, très richement innervée, qui est reliée au cerveau, et qui permet au poisson de détecter les variations de pression de son environnement. Donc c'est un nouvel organe qui a été construit à partir des vestiges d'un ancien organe. Ben, l'exaptation, c'est ça, et c'est la manière dont, pour gagner en agilité, pour gagner en rapidité de transformation, nous allons être capables de réutiliser des infrastructures, des compétences, des formes, des ressources que nous avions dans un ancien monde et qu'on va devoir adapter à un nouveau monde. On a plein d'exemples, on pourrait méditer là-dessus pendant des jours et des jours. Ça, le quiz, on vient de le faire, donc merci à vous d'avoir joué le jeu. Et je vais rentrer maintenant, effectivement, dans le cœur du sujet qui est la permaéconomie, alors cœur du sujet sur lequel on passera beaucoup de temps, évidemment.
Simplement, l'idée, c'est de remettre les choses à leur place d'abord. La première chose à comprendre, c'est que, vous savez, ces trois sphères du développement durable qu'on voit très souvent, société, environnement, économie, on nous les représente disjointes, séparées les unes des autres, avec au milieu quelques zones de recouvrement, et puis on nous explique bien sagement que le développement durable, c'est au milieu, c'est là où les trois se chevauchent. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que ces trois systèmes ne sont pas décorrélés les uns des autres, ils sont imbriqués les uns dans les autres. L'espèce humaine, l'anthroposphère, c'est une espèce vivante, elle s'épanouit au sein de la biosphère, c'est-à-dire la communauté de l'ensemble des êtres vivants sur Terre. Et l'économie est un sous-système de l'anthroposphère. L'économie est bien un instrument, un moyen inventé par les humains pour créer, s'organiser, produire et répartir des richesses. Sans les humains, il n'y a pas d'économie. Donc on a bien trois systèmes emboîtés les uns dans les autres. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que si on veut pousser le raisonnement systémique un petit peu plus loin, il y a des interactions, évidemment, entre ces trois systèmes. Le système économique interagit avec la sphère sociale, forcément, on y apporte des compétences, on y met des ressources, on en retire des contreparties financières, on en retire des choses qui peuvent être positives comme négatives, hein, de l'engagement, de la participation, du sentiment de participation et d'être actif dans la société, mais ça peut être aussi de l'exclusion, ça peut être aussi de la perte de sens, ça peut être aussi du burn-out ou du bore-out qu'on connaît aujourd'hui, etc. Et entre l'économie et la biosphère, il y a des échanges de ressources, il y a des prélèvements de ressources, d'espaces, de services, hein, comme la pollinisation par exemple, sans laquelle l'agriculture serait quasiment pas possible. Et puis en contrepartie, j'allais dire, mais ce n'est pas une contrepartie, il y a aussi des impacts de l'économie sur la biodiversité, qui sont liés notamment à l'artificialisation, la fragmentation des écosystèmes, les surprélèvements de ressources évidemment, les pollutions, voilà, le changement climatique, etc. Et donc tous ces éléments font que finalement, bah, aujourd'hui, on épuise petit à petit ce grand réservoir et que l'économie est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise, puisque le système dont elle dépend, elle est en train de le détruire petit à petit. Alors, qu'est-ce que ce serait que la permaéconomie ? Ben, la permaéconomie, c'est l'idée d'aller vers un système qui, lui, serait à l'équilibre, et qui reposerait donc sur un certain nombre d'éléments dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein, qui sont le biomimétisme comme source d'inspiration, j'en ai un petit peu parlé, qui sont l'économie circulaire et les différentes composantes de l'économie circulaire, les composantes immatérielles, par exemple liées au modèle économique, par exemple liées au mode d'organisation, par exemple liées à l'implication dans les territoires, mais aussi l'écologie industrielle et territoriale, l'éco-conception, donc ils vont être tout ce qui est lié à la gestion des ressources, la gestion des flux en économie et dans les modes de production. Ben tout ça, le principe de tout ça, c'est de réduire les prélèvements, c'est de minimiser les flux entrants qui viennent de la biosphère vers l'économie pour tendre vers une resynchronisation et donc reculer le plus possible ce jour du dépassement pour revenir à l'équilibre, faire en sorte que les flux économiques soient de nouveau compatibles avec les flux du vivant. Mais enfin, il y a une brique qui est essentielle, qui est tout en bas, c'est la notion de réinvestissement dans le capital naturel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'économie a compris que le vivant, bah, ce n'était pas juste une externalité, ce n'était pas juste un exutoire, mais que c'était bien le pilier de la création de richesse, bah, on réinvestit dans les facteurs de production. Et c'est exactement ce que fait un permaculteur. Donc quand on est au... Quand on est au jardin en permaculture, alors on s'appuie sur 12 principes de conception, que vous pouvez lire en même temps, que vous pouvez trouver facilement sur Internet, donc je ne vais pas les commenter. Ce sont des gros principes, c'est-à-dire des principes très robustes, très systémiques. Ce qui est intéressant, c'est leurs interactions les uns avec les autres. On est dans ces simplex, vous savez, ces règles de fonctionnement simples qui régissent l'organisation des systèmes complexes. On est un petit peu dans ce principe-là. Et ce que fait un permaculteur, c'est qu'il vise en permanence deux récoltes. Il a besoin d'une récolte pour lui, pour vendre à ses clients, pour pouvoir vivre. Et puis, il nourrit le sol en même temps, il régénère le sol, il entretient sa capacité à abriter une microfaune, une microflore qui va contribuer avec lui à stocker les nutriments, à stocker l'azote, le phosphore, etc., qui va contribuer aussi à stocker l'eau. Et donc, en préparant sa récolte de l'année, en même temps, il prépare les récoltes futures. Donc, il réinvestit dans son socle de production, dans son facteur de production, qui est le sol. La permaéconomie, c'est la même chose, c'est une économie qui réinvestit en permanence dans ses facteurs de production et qui prépare, du coup, les récoltes suivantes. Alors, ça, vous l'avez vu. Cette notion de réinvestissement dans le patrimoine naturel, c'est vraiment une question de réinvestissement dans un bien commun. C'est aujourd'hui, quelque part, la grande impasse, c'est un peu le mur conceptuel auquel on est confronté en économie, c'est qu'on sait réinvestir dans des biens privatifs,
on a énormément de mal à concevoir des mécanismes de réinvestissement dans des biens communs. Pourtant, ce sont des choses qui existent. Alors, je vais passer ça, parce que pour expliquer que la biodiversité est partout, et vous allez en profiter tout à l'heure. Voilà. Une économie fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire que vous avez différentes strates de capitaux qui créent de la richesse, jusqu'à dégager des réserves. Et dans une entreprise bien gérée, dans une économie bien gérée, vous avez des flux de réinvestissement qui permettent d'entretenir le socle. Alors directement ou indirectement, hein, puisqu'on va réinvestir dans le capital productif, dans les brevets, dans les machines, dans les bâtiments, etc. On va réinvestir dans ce qu'on appelle le capital immatériel ou le capital humain, les connaissances, l'adhésion, la motivation, la confiance. Et puis indirectement, à travers l'impôt, c'est là que c'est important que tout le monde paye ses impôts, y compris les très grosses entreprises, hein, peut-être même surtout. On réinvestit aussi dans la strate sociale, c'est-à-dire la strate qui crée de la valeur au niveau de la santé, de la sécurité, de l'accès aux soins, et de tout ce qui prépare finalement la société à l'avenir. Mais il y a quand même un truc qui manque, c'est ce qui est tout en bas. Ce qui est tout en bas, c'est le capital naturel. Ce capital naturel sans lequel aucune création de valeur serait possible, et vous l'avez vu sur mon dessin, il n'y a pas de flèche qui redescend jusqu'en bas. Tout simplement parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Ou alors ça existe à l'échelle territoriale, expérimentale, mais on n'est pas encore à la généralisation. Un cas où ça a fonctionné plutôt pas trop mal, et c'était une expérimentation territoriale, c'était le cas du parc naturel régional des Vosges. Vous savez que les parcs naturels régionaux sont vraiment des zones d'expérimentation en termes de développement économique et d'ancrage territorial, et de gestion du patrimoine naturel. Ce que vous voyez là, c'est de l'arnica. Et en fait, il y a une quinzaine d'années, l'arnica était vraiment sous pression de surcueillette, de surprélèvement, mais aussi sous pression d'artificialisation de son écosystème, de son habitat naturel, qui est de la prairie humide. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs drainaient les prairies, et donc c'était moins favorable à l'arnica, mais les agriculteurs les drainaient pour avoir des écosystèmes favorables à l'élevage. Et les maires avaient tendance à artificialiser pour créer des lotissements, des zones commerciales, encore une fois, des rocades, des parkings, etc., parce que ça génère de la valeur économique immédiate. Le principe a été de créer une intelligence territoriale et surtout de drainer des nouveaux flux monétaires basés sur des contributions généralisées mais redistribuées immédiatement et intégralement localement. Donc on n'était pas vraiment sur une captation de revenus, hein, c'était vraiment l'idée d'avoir des mécanismes qui permettaient de réinvestir dans le capital naturel, dans la restauration des habitats et dans des politiques de conservation de la nature, mais aussi dans de la formation de l'ensemble des acteurs, dont les cueilleurs, pour créer cette intelligence. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que l'arnica a retrouvé sa dynamique. Et il y a un double bénéfice, évidemment, c'est que la plante s'est ancrée durablement dans son écosystème, mais toute l'économie qu'elle supportait s'est aussi développée. Alors, quelques petites leçons en conclusion maintenant, en 3 minutes si j'ai bien compris, si j'arrive à passer la diapositive suivante. Non, on va le faire comme ça, parce que ça marche de moins en moins bien. On peut encore avancer. Voilà, un certain René Descartes, un des fondateurs de la pensée moderne, en 1637, si je me souviens bien, publié le discours de la méthode, et dans lequel il y avait cette exhortation à nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, c'est-à-dire quelque part à mobiliser toutes les ressources du savoir, de la connaissance, de la science, et donc de la technique aussi, pour maîtriser le vivant, maîtriser ses caprices du vivant. Il pensait notamment aux caprices climatiques, on était en plein petit âge glaciaire, les rendements agricoles étaient déplorables, il y avait des grandes famines en Europe, et les pandémies faisaient rage et la médecine ne savait pas soigner les gens. Donc il y avait une urgence à faire ça. Le corollaire de cette pensée-là, c'est que ça induit une pensée qu'on appelle réductionniste. C'est-à-dire cette illusion qu'en décomposant les systèmes en éléments, en unités élémentaires, on pouvait mieux les comprendre. Un peu comme si en démontant une horloge et en regardant chaque ressort et chaque engrenage, on pouvait comprendre comment fonctionne l'horloge. Ben non, en fait, un écosystème et toutes les sciences du vivant, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est complexe, on peut avancer. Voilà. La complexité, c'est vraiment le monde dans lequel nous vivons, il se définit par la complexité. Et la complexité, c'est quelque chose qui ne s'anticipe pas, bien évidemment, puisque c'est en permanence des variables qui se réajustent les unes par rapport aux autres, parce que les paramètres sont multiples. Quand vous prenez votre vélo pour faire un déplacement en ville, par exemple, vous savez que vous allez d'un endroit A à un endroit B, mais l'itinéraire peut varier en fonction des conditions. Il peut se passer des tas de choses sur votre chemin. Vous allez dépasser d'autres véhicules, vous allez dépasser, croiser d'autres véhicules, vous allez avoir des travaux, des inondations, ça va m'arriver tout à l'heure, et vous ne savez pas comment rentrer chez vous. Vous allez ajuster tout ça. Vous n'êtes pas non plus obligé de comprendre
les mathématiques de la cinétique et de l'équilibre en vélo. Et donc, en fait, nous avons une aisance naturelle à naviguer dans la complexité, mais simplement notre éducation et notre cadre de référence quotidien nous a fait désapprendre petit à petit cette aisance-là. Mais cette aisance individuelle, il faut aujourd'hui la retrouver au sens collectif. On peut passer. Et finalement, l'idée, c'est de retrouver un peu l'art du surfeur, notamment dans nos relations avec le monde vivant non humain. Le surfeur, il n'est pas maître et possesseur de la vague. Le surfeur ne maîtrise pas la vitesse, la puissance, la direction de la vague. Et pourtant, le surfeur utilise son art. On parle de l'art du surfeur, c'est plus un art qu'un sport. On parle de l'art du surfeur pour interagir de manière dynamique avec cette puissance incommensurablement supérieure à la sienne qu'il ne maîtrise pourtant pas. Ben, la relation entre le vivant humain et non humain, ça pourrait être ça, ça pourrait être surfer la crête de l'évolution sans chercher forcément à maîtriser et à canaliser tout le vivant, mais à interagir de manière beaucoup plus dynamique avec lui. Et donc sortir de ce paradigme qui est celui du néolithique, de la domestication, de la maîtrise qu'on a poursuivi avec la révolution industrielle, qu'on a poursuivi avec la révolution agricole. En gros, on n'aime pas le hasard, on aime bien les certitudes, on aime bien les choses standardisées, bien canalisées. Ben ça, c'est pas du tout agile. Par contre, je peux vous dire que le surfeur, lui, il est extrêmement agile. C'est ça qu'il faut qu'on apprenne. Et enfin, ma dernière et la conclusion, pour le coup, ces deux mots-là sont importants. Ces deux mots-là, ce sont deux mots grecs qui veulent dire pro, en avance, péro, bondir. Ça a donné prospérité. Ça, pour dire que la prospérité, c'est pas une question d'aisance financière, ou en tout cas pas seulement. C'est essentiellement une question de relation au temps et de relation à l'avenir. La prospérité, c'est la capacité d'agir ensemble sur son futur. D'ailleurs, c'est une excellente réponse à la définition que donnait Amartya Sen de la pauvreté, parce qu'Amartya Sen, ancien prix Nobel d'économie, hein, expliquait que la pauvreté... Oui, j'ai fini. La pauvreté, c'est pas une question pécuniaire, c'est une question de rapport au temps. Être pauvre, c'est ne pas pouvoir agir sur son futur. Bah, la prospérité, ça suppose de la confiance, et donc ça suppose que notre société retrouve confiance en elle, et retrouve confiance en sa capacité d'agir sur son futur. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit construire ensemble de manière agile, encore une fois. Je vous remercie.